think my plug is an alien. Bitch, we toting hammers like Arabians. C'est UGR, donc comme vous le savez, on est une plateforme qui met en relation tous vos artistes underground et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on est avec qui ? On est avec Quadra et Kirai. Enchanté. Yes, sir, yes, voilà, sir. Du coup, on va procéder à une petite interview avec nos deux invités du jour. Du coup, avant de les laisser se présenter, on va vous balancer deux teasers d'eux. Donc, c'est qu'avec décolleté. Des boules à décoller. Touch shop ça, stick avec un décolleté. Touch shop ça, touch shop ça. Allez hop, le train est déjà parti. Yes, 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 yes. Sur moi, va peut-être pire. Si t'essayes de m'attraper, je cours mon runner pour ça va peut-être si. Yes, 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 yes. Sur moi, me fais voir dans l'avenir. Je sais que je vais t'arrêter et je le ferai sans même avoir besoin de me salir. Yes, yes. C'est la frappe, c'est du flot. Bon les gars, première question. Yes. C'est comment vos inspirations dans la musique en général et tout ça, ça vient d'où? Sur quoi vous vous inspirez en termes général? Ben honnêtement, moi je dirais c'est vraiment le rap US. Ouais. Dans un certain sens, surtout la vibe plus comme underground. Mm-hmm. C'est moi j'écoute beaucoup de... Tu sais, j'écoute les gros artistes comme Destroy Lonely, Ken Carson... Tous ces gens-là, vraiment. Puis je veux pas dire que c'est eux vraiment niveau inspiration. Niveau inspiration, je dirais que c'est peut-être plus Chief Keef. Ouais, ouais. C'est la base j'ai de vraiment, tout le monde. J'ai vu les Dreads. C'était fini. Ah bah oui, bien c'était sûr. C'était fini alors. Ça, c'est vraiment la figure du rap ouais. qui a inspiré beaucoup de gens. Et du coup, quand tu me dis rap US, rap français, est-ce que tu suis un petit peu et tout ou pas du tout? Ouais, ben je dois avouer que je suis un peu. Late, je suis un peu comme ouais. Ça m'a pris un peu de temps avant de commencer à écouter beaucoup de rap français, mais ouais, j'écoute certaines personnes, Serran. Ok. On a vu The Homie hier, mm-hmm. Comme j'ai écouté un peu ses beats, etc., c'est très fort aussi. Mais il y a beaucoup de gars aussi comme que j'ai remarqué qui faisaient ça, fait que je dirais pas ça pour l'instant. Ok, plus dans une wave DMV, plug. DMV, plug, ouais. Je fais d'autres choses ouais. aussi, comme il y a le côté vraiment. Mainstream du rap US ouais. aussi que j'aime, tu sais, puis j'essaie d'être le plus versatile possible. C'est ça, c'est ce qui est bon. Et toi, Quadra? Moi, c'est Chief Keef, mon inspiration ouais. première. Ah, là. Mais disons, à chaque mois, j'ai une nouvelle inspiration, mais ça reste toujours dans le bord par bord, DMV, que ça soit Jersey, whatever. Moi, c'est bord par bord. T'as ton style et tu t'y tiens, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Est-ce que du coup, par exemple, pour la conception des sons, tout ça, est-ce que vous allez chercher des inspirations genre d'autres pays ou D'autres pays, je sais pas, mais souvent des beats qui m'inspirent ou juste genre un son qui m'inspire, ouais. Je le monte à mon producer, puis lui, il s'arrange avec le reste, là, je te dirais. Ouais, ça vient au feeling, quoi. C'est... Feeling, tout le temps, feeling. Yeah. Moi, je dirais aussi, des fois, c'est le slang qu'on utilise. Ouais, le slang vient aider aussi, genre, le slang vient beaucoup aider. C'est anglais, créole, c'est ça. Ouais. Comme on peut faire rimer plusieurs affaires facilement, puis comme les blocages ils sont des fois moins, justement à cause des slangs qui viennent nous sauver. D'accord. Mmh. Ok. Exact. C'est bien, les gars. Merci. du coup, votre style musical, en termes généraux, est-ce que vous les situez vraiment dans une case ou comme il a dit Kirai tout à l'heure, c'est plus dans la versatilité, plus dans le. Mais monsieur ici est plus versatile, lui, ouais. Lui ouais. Il chante et tout, mais mmh. moi je reste dans d'accord. Mon, est-ce que tu restes fermé à ou, peut-être un jour une petite... Non, j'en ai dans le vault, ouais, mais comme moi je suis vraiment quelqu'un qui... Faut que je l'aime le beat. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois le monde il me dit faut que tu drop ça, tu sais, il y a un autotune un peu et tout, mais comme moi j'aime trop genre quand c'est trap. Ok, tu comprends, ouais. Ok. Bon. Bah du coup, pour continuer, je vais vous proposer de checker la nouvelle mixtape de Quadra, donc numéro Quad. Voici un extrait là tout de suite. Bonjour les blocs, je l'appelle Père Noël. J'ai une stick t'allume comme un sapin Noël. J'ai tout dans le sac comme petit papa Noël. Moudi, je veux faire Noël quand je ramène les bébés. Quand je ramène les bébés. Qu'est-ce que tu veux, j'ai le bon nom sur appel. J'ai le petit
parlera juste après. Et ouais. Mais nous, on t'a connu avec Quadra Dimension. Ouais. Donc, le premier. Plutôt Axe Trap avec Strap On, avec John Lou, yes. Si je me trompe pas. Ouais. Du coup, tu peux nous en parler un petit peu ou... Comment la conception s'est faite? La conception, la connexion. La connexion, ça s'est faite avec les gars de l'entourage. Là. Ils ont... Moi, je venais de commencer à rapper, justement. Puis, je faisais du DMV aussi. Puis, là, ils m'ont montré à John Lou. Puis, le beat, il s'est fait. Là, il est venu au studio. Puis, après ça, on a fait le beat. Puis, le beat, il est dans le tape, puis that's it, là. Donc le link avec John Lou, il s'est fait vraiment naturellement de fou comme ça et tout. C'est... Ouais, Instagram, man. Instagram, okay, c'est... Instagram, c'est vraiment le... Tu sais, on était dans la même ville, mais tu sais, Instagram, ça fait que tu te rapproches encore plus, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, dans ce projet-là, du coup, on a vu un Quadra que on voit plus trop. Ouais, mais c'est ça, parce que justement, ça, c'est mes débuts, venait de commencer. On dirait que je m'avais pas encore trouvé à 100%. Du coup, là, aujourd'hui, tu as l'impression de t'être trouvé, du coup. Ouais, là, je me suis trouvé. Ouais, et là, du 100%. Coup, tu balances. Ouais. Ok. On sait à quoi s'attendre, maintenant. Ok. Et par rapport à tes débuts, genre, comment t'as commencé Moi, j'ai commencé dans ma chambre, dans une boîte, avec mon boy Uncle, dans le Tétroville, dans le sol de mes parents. Puis on était quoi sur Rock Band, je pense. Puis pour commencer, je faisais du boom bap. Mais c'était pas bon, là. C'est pas comme le boom bap que les gars moral font maintenant, là, le drumless et tout. Là, moi, c'était vraiment pas bon, là. C'était vraiment pas bon. Ok. Ok, du coup, vraiment un self-made man, tu t'es fait. T'as commencé tout seul, entre guillemets. Ouais, et avec les moyens du bord. Ouais, avec mon ami, on avec ton fait. Ami, du coup. Ouais, avec mon boy. Puis ça, on avait fait un beat sur SoundCloud, après ça, il y a eu une pause. Puis après ça, je me suis remis plus au sérieux quand, on dirait, il y avait plus de monde autour de moi qui voulait faire la musique, tu sais, aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui, dans ce temps-là, qui voulait être dans le domaine, que ça soit faire des vidéos, rapper ou production et tout ça. C'était en quelle année? Ça, c'est, disons... 2017, ouais, 2018. Ça date un peu quand même. Ouais. Ouais, ouais, juste avant. Là. C'est vraiment le début, quoi. Ouais, c'est ça, le début. Et toi aussi, du coup, Kira, t'as commencé dans ta chambre Exactement. Hein. Ouais. C'est ça que je suis allé dans une espèce d'école qui te montre un peu comment enregistrer, etc. Honnêtement, ça m'a pas appris grand chose, mais ça m'a donné vraiment un bon cercle de contact. Genre. C'est des gars que je travaille encore avec eux. Puis shout out, man. C'est tous des gars que j'ai au studio avec, c'est d'autres artistes. On a rencontré Quadra au travers de ça aussi. Ouais, c'est fou, là, tu comprends? Genre... Ça, c'est mon bro, là. C'est vrai. Ouais, c'est ça que je voulais vous demander. C'est quoi la connexion entre vous deux? C'est quoi? C'est des gros, des gros à la mort? Mais maintenant, oui, mais comme je le connaissais pas avant d'avoir fait la musique, tu comprends? Si j'avais pas rappé, j'aurais jamais connu monsieur, j'aurais jamais connu personne ici. Comme Donc en fait la musique ça vous a ouvert des portes énormes, le nombre de contacts et tout, j'imagine. Fou, c'est sûr que comme peut-être qu'on s'aurait trouvé d'une autre manière si les deux n'auraient pas fait de musique, mais comme c'est dans cette vie-ci, ça a décidé que c'était la musique. Et puis bon, on a l'impression que vraiment vous êtes vraiment dans le même état d'esprit. Bon, on dirait qu'on a grandi ensemble. Je te jure. Des fois c'est comme c'est une question de vibe, tu comprends? Ouais, c'est ça. Enfin, il y a ça. Des gens que je connais, ça fait 5 ans, sont même pas capables de me dire des trucs que des gens que je connais comme plus récemment, puis c'est une question de connexion, je pense. C'est ça. Un truc comme ça. Mais du coup, ça fait combien de temps concrètement? Comme deux ans? Ouais, deux ben, ans moi je dirais la date, c'est quand on a drop nos featuring ensemble, tu comprends? Ça comme ça serait ma date. Comme clé, parce que je pourrais pas genre savoir à part si on scroll d'un DM, mais comme quand on a fait Gucci Mane puis Balboa, ça c'est la semaine qu'on s'est rencontrés. Quoi. Okay. Je risque de la faire travailler sur la ligne à voix dérailler, ça drift. Envoie le ligne, je suis graillé, le volet. Le Russian Cream m'a mélangé. Donc le lien il s'est fait direct, du coup ça s'est reflété dans les sons et tout, c'est vraiment cool. Vas-y, je te dis. Enfin, quand on vous entend parler, on a l'impression, enfin les connexions entre les rappeurs underground au Québec, j'ai l'impression, enfin c'est quelque chose quand même d'assez simple ou pas Tout le monde est à peu près accessible présentement, parce que
comme le underground commence à bump. Comme on commence à entendre plus parler du underground, puis les gens réalisent vraiment à ce moment-là qu'il y a quelque chose, un potentiel. C'est pour ça qu'on est là. Pour ça qu'il y a beaucoup de raisons, genre, face à ça. Mais c'est facile. Tout le monde est sur Instagram, puis on se parle, tu veux un feature, etc. Des fois, c'est plus une gang de. Il y en a qui ont des managers, il y en a qui en ont pas. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est facile, très facile. C'est un petit milieu, des petites relations qui sont comme ça, bah, juste avec Instagram, c'est pas, on s'en vraiment, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment pas compliqué. Il faut soutenir aussi. Dans, ouais, c'est ça. Exact, ouais, c'est ça. Comme dans l'underground, là, on dirait qu'on a vraiment notre scène à nous. Ouais. Comme... Puis plus qu'avant, là, plus maintenant, qu'avant, le underground est comme ça à Montréal. Là, on se connaît vraiment toutes maintenant. Il y a de plus en plus de shows qui se font créés par les membres du underground, justement. Parce que des fois, comme t'es dans l'underground, t'as les skills et tout, mais personne va te put on sur le stage, tu comprends? Ouais, c'est vrai ça. Nous, genre, cette année, on a fait comme 3-4 shows, c'est nous qui les avons fait nous-mêmes, tu comprends? On a trouvé le spot, puis comme. C'est t'as pas le choix, des fois t'as pas le choix, là. Tu dois, comme on doit se vendre, fait, viens nous voir, même tu vas voir. C'est à base de on se fait tout seul, on cherche nos plans tout seul, jusqu'à temps on a un réseau. Quand même on a fait des fous shows. Bon, on a fait des fous shows aussi, mais c'est ça. C'est ça. Ok. Mais du coup, vous parlez beaucoup de Montréal et tout ça, mais du coup, si vous devriez vendre la scène là tout de suite maintenant de Montréal, vous diriez quoi de celle-ci, qu'elle est innovatrice, que on reprend les bases pour faire des choses meilleures? Ouais, innovatrice, ça fait vraiment du sens. Parce que à cause du slang de Montréal, justement, comme le créole, le fait qu'on prononce tous nos mots exactement comme on le dirait en anglais, la plupart des gens sont bilingues aussi. Il y en a de plus en plus, là. Ça donne la possibilité de faire tout plein de choses, honnêtement, tu sais. Puis c'est ça que j'aime. Puis les gens utilisent cet aspect-là. Comme les gens qui font du rap en anglais aussi, il y a des gens qui sont très forts aussi. Alors. Ouais, innovatrice. Ouais. 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 C'est vraiment le mot que vous pourriez résumer dans l'industrie de Montréal. Ouais. Ok. Et je voulais savoir aussi, aujourd'hui, on voit beaucoup de relations. UK, France, par exemple, nous, dans notre pays. Du coup, est-ce que vous pensez qu'un jour, il pourrait avoir la même mode qui se crée autour de Montréal et la France, sachant qu'en plus, ça se fait déjà un petit peu, mais vraiment de façon plus, c'est ça, plus intense, et surtout ça, dans le... On est là pour ça. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Comme c'est... on est venu faire tout ça, justement, là. C'est juste une pour question. Pour la ville, tu comprends, pour que gros, ça se débloque. Ouais. C'est, for real, c'est une question de temps, comme, puis... C'est juste que malheureusement, peut-être que nous aussi, les Montréalais, on n'a juste pas assez fait le move. Peut-être qu'on... Tu sais, je veux dire, face à l'industrie française, on est mini, là, tu comprends? So, tu sais, comme, peut-être que les gens vont pas faire le move de venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Mm. Mais s'ils voient les gars ici, les gars faire des moves concrets là, avec des bons artistes qui ont de la crédibilité, who knows, tu comprends? Et du coup, de toutes les relations que vous connaissez des différents rapports de Montréal, vous êtes un peu les premiers ou vous êtes pas, il y en a pas beaucoup qui ont fait ce move-là de venir en France du coup? Il y en a qui en ont fait, mais on dirait que c'était pas comme nous, tu sais, genre, nous on est à plusieurs parties de Montréal, lui il vient même pas de Montréal, là. Mon gars ici vient de Drummondville, okay. Il vient rap. C'est pas loin du coup? Comme ici de Paris. Oh, ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment un peu la banlieue. C'est ça. Lui vient rap la cité, puis comme le move qu'on a fait, c'est plein de gens différents vibes de Montréal. On est venu ici. Mais souvent le monde c'est leur team, juste leur team qui vient ici ou juste un artiste puis tout. Mais nous c'est vraiment différent. Ouais, comme... vraiment. Bah c'est ce qu'on disait avant l'interview. Vous êtes vraiment là en, on va dire touriste, vous êtes vraiment pour profiter du pays. Ouais. Si doit se faire des link up, il y a des link up. Voilà. C'est la bonne mentalité. Ouais. Moi j'avais une question. Enfin, du coup, tout à l'heure tu avais parlé du fait qu'il y avait beaucoup de monde à Montréal qui parlait anglais. Du coup, vous prononcez tout en anglais. Mais du coup, vous, est-ce que vous avez. Demain, vous pouvez très bien rapper en anglais Lui, il rappelle. Je suis allé à l'école anglaise presque toute ma vie. Alors, oui, avant je faisais du rap en anglais même. Puis à un certain moment, j'ai transitionné juste parce que j'étais comme. Il y a quelque chose de cool à faire quelque chose en anglais en français, ça devient vraiment unique. Comme la minute que tu fais la transition, puis que c'est comme très ressemblant, c'est souvent du jamais entendu. Exact. Sauf quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait comme ça sonne plus comme moi aussi. Ouais. Comme j'ai vraiment genre une, je me sens mieux à le faire en français. Ça sonne plus comme moi je l'aurais fait vraiment. C'est ça là aussi que je converse tout le temps. Je parle aux femmes dans ce langage-là, tu comprends, je veux dire. Mmh. C'est
C'était mieux pour moi de faire ça. Parce que du coup, à Montréal, c'est partagé entre du français, de l'anglais et... Ouais. Un peu de français, anglais, créole. Créole, ouais, du coup aussi. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Du coup, il y a la dernière tête de Kirai qui est sortie, K-World 2. Yes, sir. Donc, explique-nous un peu, là, tu t'es inspiré de quoi, c'était comment, il y en a pour l'année 2023, c'est comment, là, les plans, là. Bon. je suis pas genre de gars qui vend tout, là. Tout ok. Fait. Je vais te dire ce que je peux dire, honnêtement. Oui, il y a quelque chose en lui, c'est sûr. Moi, je suis très travaillant, comme je fais beaucoup de chansons, je vais au studio, j'essaie de faire le plus de trucs possible. Alors oui, il y a quelque chose en the way. Sinon, au niveau Kirai, en tant que tel K-World V2, en fait, je pense pas qu'il y a une inspiration, je pense pas qu'il y a un thème. J'ai juste comme fait beaucoup de chansons que j'aimais, puis on a essayé de faire des bonnes transitions entre les chansons, essayer de les rendre intéressantes. Puis c'est ça. C'est okay. Vraiment ça. C'est rien de compliqué, mais c'est vraiment le travail qui est mis derrière ça, je pense, qui shine avec ça. De toute façon, le travail, ça paye toujours, hein. Toujours. Du coup, on en parlait tout à l'heure, l'event du 9. Okay. Au Movida Club, okay. Dans le 19e, organisé par Remastered et Baby Party. Yes! J'ai vu un petit peu la line-up, là. C'est qu'on va avoir du bon petit monde, là. Énervé, hein. Bon. Ouais, on va s'amuser, ça c'est sûr, ça voilà. C'est sûr. Il y a des artistes aussi que j'avais hâte de rencontrer, que j'écoute leur musique. Comme qui, tu peux lâcher les petits blagues. Celle-là qui est pas placable. Implacable, vraiment, ouais, je dois dire. Je suis de voir, en vrai, très gros fan. C'est comme le Simple Jewel que j'avais imaginé en vrai. C'est comme, c'est vraiment bien fait. Bien fait. Sinon, le reste, vous allez voir. Okay, vraiment, okay. Mais j'ai du respect pour tous les gars qui sont sur le line-up aussi. It's all love, man. Tous les humains sur cette terre. Bien sûr. C'est Montréal-Paris, je pense qu'on est des bons représentants de chaque ville. Les cousins, man. Tant que la barrière de la langue, elle n'est pas là pour couper des portes. Mais non. Il y a toutes les raisons pour lesquelles les relations doivent se faire. Hein, de toute façon. Je voulais vous demander aussi l'after party à 23h. Oh, il y avait un after party. Il y a un after jusqu'à 16. Bon. Les gars, vous nous préparez un vrai truc de fou là. Ouais, l'after. Ok, c'est fou ça. Wallah, c'est fou. Mais on va être là, c'est sûr, on est là. On est là, bon, à ce qui paraît, l'alcool est même pas cher. Ok. On s'attrape à l'after. Hein. Et du coup, sur le plan relationnel, comme bah, de toute façon, on en parle depuis tout à l'heure, avec cette connexion vraiment Montréal-Paris, du coup, de cet événement, vous pensez en tirer des petites collabs, des petits contacts, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir se rapprocher de la scène en général, quoi, entre vous. Ouais. Il y a des collabs de faits, il y a des plans déjà faits, il y a des plans qui vont se faire. Mais comme on est là pour collab, exact. C'est sûr. C'est pour ça. C'est sûr. L'ouverture, c'est ce qui plaît le plus. Et du coup, bon, Paris, c'est comment? Ah, Paris, c'est fou. Paris, c'est magique? C'est magique. Paris, c'est magique. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je sais pas, 2-3 petites anecdotes depuis que vous êtes arrivé, de petites trucs? J'ai déjà bu 6 bouteilles de vin. Oh, ok, ça se met bien. J'ai déjà bu 6 bouteilles de vin. Mais honnêtement, non, mais vraiment, niveau anecdote, moi, une bonne anecdote, c'était première journée, là, on était vraiment actifs, là, on a tout fait, on a trouvé une conso, tu comprends? D'enragé. On a fait à souper, on boit des cafés à chaque coin de rue, on est à la Tour Eiffel, 2 gars sur un lime. Des affaires de fou. Ah oui, ça vit, hein. On a déjà Non, des affaires qu'on peut pas faire morale, on le fait tout de suite, à l'instant. Et c'est quoi la plus grosse différence que vous avez entre Montréal et ici? Vraiment la plus grosse, vraiment c'est que vous avez noté direct. Moi je dirais, c'est le ça va. Salut, ça va? Ah ouais? Mais ici, c'est salut. Des fois, je disais ça va, puis le monde, il y a, comme la discussion arrêtait là. Ah il oui. était comme, vas-y, dis-là la reste de ta phrase. C'est vrai qu'il y a une différence. Mais il y en a qui disaient ça va. Oui, mais comme, c'est le seul point, mais comme, sinon, j'ai pas à spot. Moi, j'ai pas. Ben déjà, juste niveau architecture dans Paris, je dois dire que la différence est énorme de Montréal. Je dirais comme Montréal a certains quartiers qui ressemblent à ça, mais c'est comme le vieux Montréal. Le vieux Québec. Comme ça, c'est vraiment Paris, c'est le vieux Montréal XL. Ok, donc toi, tu résumerais Paris à ça. Ouais, l'architecture est vraiment différente. Il y a des statues partout. Exactement. Chaque coin de rue, comme... Tu tournes juste pour faire un U-turn, il y a une statue, là, tu comprends? Puis la,
elle est huge. Elle est là. Huge. Sinon, t'as des. Comme des colisées, on dirait. Là, comme... Il y a un musée là, musée là. Ah, puis tout avec des structures que ça fait longtemps, puis sont encore là, puis ça n'a pas bougé. Là. Comme nous, nos rues, ils brisent à chaque mois, à Montréal. Parce qu'en plus, vous avez dû voir la transition entre Paris by day et Paris by night. Ouais. Ouais. Mais là, on est vendredi, c'est ça. Ouais, là, on est vendredi. Ce soir, là, ça va. Mais c'est ouais, ça. Ce soir, on va voir plus, mais comme. Le day et le night, c'est quand même différent, là. Mais. Ouais, j'ai pas encore spot vraiment. Mais comme. Ça commence à vivre. Quand je suis revenu à pied, on dirait qu'il y avait personne. Puis là, je suis rentré dans un arrondissement, puis là, comme boum, là. J'arrive dans une ruelle, tu peux même pas passer. C'est vraiment ça, Paris. C'est des hubs, c'est vraiment des gens qui sont concentrés au même endroit. Mmh. Et des fois, tu peux tomber sur personne, et en fait, tu vas tomber sur une rue. Et... Mais c'est ça. Suffit qu'il se passe un petit événement, et tu vas voir du monde. Avec des cultures différentes, et tout ça, c'est ça qui est beau aussi. Du coup, je voulais vous demander. Comme on est toujours dans ce contexte de Paris et tout ça, si là, tout de suite maintenant, on devait vous demander un artiste francophone, ou même français, je sais pas, avec qui vous aimeriez collab, genre vraiment votre... Genre vraiment l'idéal. Comme l'artiste de France ou... Ouais, vraiment, en France francophone, l'artiste avec qui vous voudriez le plus une collab, ou vous trouveriez qu'il y ait une vraie association et tout ça avec votre style. Moi je dirais je découvre tout ça. Je sais pas si je suis prêt à donner cette réponse là honnêtement. Il y a des artistes que j'aime leur musique, ça se fait toujours naturellement ces trucs là puis je veux pas rien forcer. Ça va arriver, je suis sûr, on a cette énergie là, on dégage quelque chose de différent, c'est cool, mais je suis peut-être pas prêt à dire. Ouais. Mais shout out, ça dépend aussi du moment, tu sais, comme le moment aussi ça change tout, la prod, comme des fois tu sors de ta zone de confort, puis à ce moment-là tu as réussi mais comme à faire la collab, mais aussi des fois tu files l'artiste mais tu te vois pas à faire une collab, tu comprends. Et dans la conversation peut aller pour autant. Mais c'est ça. Tout le love, mais comme si je hop, ça sortirait trop de ma zone, ou lui sortirait trop de sa zone, mais comme. Ouais. Il y a toujours un moyen de faire de quoi, tu comprends. Ok. Et si prochainement il y a une collab, enfin même avec d'autres artistes, pas que forcément français, est-ce que vous serez prêt à faire des collabs avec des artistes qui font totalement un autre style que. Moi je ferais du rock demain. Moi je ferais du rock demain. Je serais un artiste reggaeton demain aussi. Voilà. Si je pourrais faire ça ou comme en live, comme avec des instruments. Genre. Mais comme, tu sais, moi je fais des fois des collabs avec des artistes qui rappent en anglais aussi. Il y a moyen de sortir de sa zone de plusieurs manières. Ouais. C'est ça. En restant dans la même vibe et tout. Exact. Du coup, pour vous, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais pour vous, la scène underground, elle va. À l'avenir, à quoi on va aller? Est-ce que ça va moins faire de bruit? Est-ce que les gens ils vont de plus en plus s'intéresser? Est-ce qu'on parle à Montréal ou à Paris? Les deux en termes de. Les deux juste underground, moi je pense que ça va inverser même. D'accord. Ouais. L'underground va être en haut, tu comprends? Fait que c'est l'autre qui va. Je pense que les gens vraiment ils vont plus s'intéresser à l'underground et moins être mainstream parce que. Ben en même temps, nos fans grandissent aussi avec nous. Fait que genre, je sais pas, puis le monde ils vont s'inspirer de nous, fait que la chaîne va peut-être changer, tu comprends? Fait que comme. Puis les gens aussi, comme. Inch'Allah, man. Tu sais, vraiment, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au USA, c'est ça qui arrive en ce mais moment. En tout cas, on est vraiment au top en mais ce moment. Il y a des artistes vraiment qui sont tellement fous aux States, c'est juste une question de temps avant que ça arrive. C'est ça, genre, des musiques qui bumpent, genre, ça bumperait nos musiques là, là-bas, tu comprends? Ouais. C'est genre. Ouais. Ben club pis tout, genre normal. C'est ça. Ce qui est nice là-bas là. Donc bon, on est d'accord pour dire que la scène underground a des beaux jours devant elle quoi. Ouais. Moi je pense que c'est ça, ouais, ça va sortir du ground, ça va juste être ground à un moment donné. C'est... Juste ground, même plus underground. On va sortir juste ground. Même pas la main va sortir, toujours la main va sortir. Moi j'ai une dernière question. C'est un truc qui m'intrigue chez tous les rappeurs. Vos blazes ils viennent d'où? Tu veux commencer ou c'est un qui commence? Moi c'est juste double à dose, bro. Okay. Un double cup. Quoi? Double à dose, mon frère. That's it, bro. Moi, bon. Je suis un gros fan d'anime. Puis d'anime en fait. Puis
J'écoutais des animés, tu comprends? Puis il y a comme un personnage, en tout cas dans un anime que j'aimais beaucoup. Puis là, au final, il se fait détester par quelqu'un. Puis là, la personne lui dit Kirai Desu, un truc comme ça. Puis moi, j'ai fait yo, ça sonne trop bien ça. Ouais. Puis j'allais Google après voir qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est je n'aime pas, je déteste. Ok. Et du coup, c'est en japonais, du coup? Ouais. The most hated one. The most hated scout. Tu vois l'animé juste pour. C'était random. C'est comme Nati Bleach, okay, un truc comme okay. ça. Okay. Genre, une phrase d'un certain épisode. Voilà. Ok, d'accord, c'est vraiment un truc qui t'a marqué. Imagine que tu l'as jamais écouté. En même temps, ils disent tout le temps ça. Bon, pour finir, en dernière question. Vas-y. Hors musique, si vous aviez une activité vraiment. Qui sort de la musique que vous kiffez faire de ouf. Faire du slam à deux dans Paris. Faire la musique. Pour de vrai. Moi, honnêtement, je suis tellement absorbé par ça en ce moment que j'écoute des séries peut-être. Je sais okay. pas, mais okay. j'ai aucune idée. Parce que même pour trouver tes inspirations et tout ça, tu. Enfin, même fax, vous deux, fax. Non, fax, ça vous, devez, vous devez peut-être faire des choses à côté de la musique parce que. Ouais. Au bout d'un moment, l'inspiration elle manque. Je sais pas, ça se fume un petit bédo pour reprendre l'inspiration, mais peut-être que des fois c'est pas assez ou je sais pas. Ouais, mais tout peut être inspirant aussi, ça qui est malade. Soit un objet, puis t'as une barre. Ce gars-là m'impressionne parce que tu vas faire quelque chose dans ta journée où tu vas dire un mot qui va attraper son attention, tu vas écouter le track qu'il a fait le lendemain, il va l'avoir dit, okay. Et tu vas faire. C'est ça qui m'impressionne, comme vraiment des fois. Donc en fait, Quadra, tu tires ton inspiration de ton quotidien, en fait. Ouais, de tout. Ok. Des mots, des synonymes. Les affiliés. Ouais, les affiliés, tu sais. J'aime ça changer les mots aussi un peu, tu sais, pour créer mon slang. Bien sûr. Notre slang, tu comprends? Pour avoir des petits petites signatures et ouais, comme ça, le monde sont comme, hey, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Là, boum, j'explique. Là. Après, tout fait un sens pour eux. Ils sont comme, crime, c'est vrai. C'est vrai, ça. Quand tu comprends, t'es comme, ok, genre, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ok. Bon. Bah, merci les gars. Bah, merci à vous. Merci. On se revoit le 9, c'est ça? Le 9. Le 9? Exactement. Ça a c'est ça, mon gars? After party avec Baby. C'est quand même. Pour finir là tout de suite, c'est pour les gens qui regardent un petit son à aller écouter là tout de suite sur coup du. Tout de suite. Tout de suite. Balboa. Va écouter Balboa. Balboa. Si t'as pas écouté Balboa. Kirai Kid Quadra Crop sur YouTube. Sur tout. Mais sur YouTube, tu vas filmer. Montre ça à ton meilleur ami, man. Yo, shout out justement Saint High. Touche-moi pas pour avoir fait une vidéo. Touche-moi pas. Yélie. On est là, man. C'est parfait. Bah, merci les gars. Salut, merci à vous, merci Paris. Merci la France. Dans un bain, check le stick, il fait qu'un bain, je me garde un plan. C'est un bain, j'appelle mon chou, c'est Jean-François Prêt. J'ai mon ligne, dans un bain, check le stick, il vient qu'un bain, je me garde un plan. C'est un bain, j'appelle mon chou, c'est Jean-François Prêt. J'aime la suite, jamais, je peux en crise comme Joseph Malak, le gars. Mais j'ai pas peur que j'ai quitté la peine. Ma vie c'est peine et c'est un mail. J'ai pas ton ligne, t'es pas ma zéro. J'ai tout les cas et tout, on sait ça. Quand je fais rap, j'ai juste la peine. Oui, j'suis comme Dieu. Baisse ton trap. Si tu veux y'op, j'ai que de la frappe. Easy rip sur moi, mais si tu cap, j'ai fait son trap aussi, y'a nothing. Savais, j'me veux et dans ma coffee. Faut que ça mec, ça yo sous bluffing. Coléo, babe, j'suis comme un boss. Coléo, Coléo, babe, j'suis comme un boss. Le fuck, j'suis pas me beat. I think my plug is an alien. Bitch, we toting hammers like a rapier.